Alors, aujourd'hui, vous vouliez étudier un texte sur le cassoulet. Oui. Est-ce que vous voulez toujours que nous l'étudions ensemble? Ah oui, s'il vous plaît. Oui, très bien. Alors, est-ce que je peux vous demander pourquoi est-ce que vous avez choisi ce texte? Parce que je suis vraiment gourmande. D'accord. Et j'aime la cuisine française, donc je voudrais savoir encore plus. D'accord. Mm. Et est-ce que vous avez déjà mangé du cassoulet? Oui, mais non. C'est-à-dire, j'en ai mangé en consommata. Alors, en conserve. Ah. J'en ai mangé en conserve. Oui, en conserve. En conserve. Oui, c'est bien. Ah, donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, je peux répondre. Je n'ai pas mangé le vrai cassoulet. Donc, j'en ai mangé en conserve seulement. Oui, d'accord. Alors, juste au début, c'était bien, je comprends. Mm. Au début, vous avez dit, je ne sais pas, je peux répondre. Il manque un petit mot. Est-ce que vous avez une idée? Ah, je ne sais pas ce que je peux vous répondre. Oui, par exemple, hein, je ne sais pas ce que je peux vous répondre. Oui, c'est bien. Ah, je ne sais pas ce que je peux vous répondre. Je ne sais pas comment répondre, c'est possible aussi, c'est plus facile. Ah, je ne sais pas comment je peux vous répondre parce que j'en ai mangé, mais c'était en conserve. Oui, c'est ça. Donc, je voudrais manger le vrai cassoulet. Oui, d'accord. Vous avez déjà goûté? Vous avez déjà mangé le vrai cassoulet? Oui, bien sûr. Ah. Peut-être c'est bien pour la santé. Alors, les haricots, c'est vrai que c'est bon? Peut-être c'est un peu gras aussi. Un peu gras, oui. Peut-être Alors ce repas est cuisine féminin ou masculin cuisine? Cette cuisine est pour l'hiver. Cette cuisine pour l'hiver, non? On peut manger. Ah pour... oui, c'est ça. Ah, pour chauffer le cou. Ah, alors attention, prononciation. Pour chauffer le corps. Ah, pour chauffer le corps. Pour chauffer le corps. Et si on le dit plus naturellement, on dira plus pour réchauffer. Ah, réchauffer. Oui, réchauffer le corps. Pour... Comment différent chauffer le corps, réchauffer le corps? Alors, chauffer, ça va plus être pour chauffer de la nourriture, chauffer quelque chose. Oui. Mais par contre, on dira plus facilement réchauffer ou se réchauffer, particulièrement. Se réchauffer égale chauffer le corps. Ah. Vous pouvez dire aussi pour se réchauffer. Pour se réchauffer. C'est ça, hein, pour se réchauffer. C'est ça, très bien. Et oui, hein, vous avez des cuisines comme ça aussi au Japon? Non, pas. Pour se réchauffer. Jamais. Oui, la cuisine japonaise, il y a beaucoup de repas pour se réchauffer.